Chaque fois ça m'arrive. J'enregistrerai pas depuis le début, désolé YouTube. Toute la Bretagne a un coiffeur. Le mec, il a une team IAM à 169K. C'est pour dire, ce qu'il doit avoir derrière. C'est une team IAM à 169K, le gars. Il doit avoir un peu du lourd. Une petite question, je sais pas si tu as déjà abordé. Si on met de l'argent dans le jeu, il faut se focaliser sur les offres. Mais quelle offre? Je dirais que ça dépend un peu de ton niveau de jeu, tu vois. Genre, le plus rentable, c'est de prendre les offres d'un perso qui sort. Comme ça, tu fais le choc et tu l'as 5 étoiles direct et tu le mets tes 10 et tu peux t'en servir. Voilà. Le plus rentable, ça doit être ça. Après, il faut quand même avoir un gros roster pour arriver à faire des 1500 en choc ou même voir des top 5, des top 100, des top 50, trucs comme ça. Sinon, ouais, il y a les énergies tous les week-ends qui sont très très intéressantes à une trentaine de boulets, là, 27€ je crois. Ça, c'est très très bien, ça donne 3000 d'énergie et du coup, tu peux faire plein de trucs, des personnages. Ça, c'est pour le début, je pense que c'est le top. Ça, tu peux faire plein de trucs et ça, ça vaut le coup, ouais. Ouais, c'est le mieux, je pense. Il a raison, Firo. Au début, tu commences par ça, comme ça tu peux farm et les étoiles, et les équipements, et t'es large, quoi. Je pense que c'est mieux. Acheter juste avant le passage du jour suivant pour en profiter avec du farm. Ouais. Tu veux vraiment optimiser ton truc à fond. Ouais. Ah, j'ai mon Yondu, il est peut-être 5RS aussi. Ou 4. Je me rappelle plus. Probablement 4. Entre les deux, c'est probablement du 4. Alors, la dernière fois, je voulais faire une vidéo sur le choc. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai perdu tous mes combats. C'était fou. Je comprenais pas. Il y a des fois comme ça. Du coup, j'ai que perdre. Tu diras, c'est bon. Nul. Minerva Groot. Combien d'éclats pour Captain Marvel? Alors moi j'en ai pas beaucoup. Je joue pas du tout l'optimisation. Je dois en avoir une cinquantaine, 40 peut-être, 40, 50. Franchement je pourrais pas te dire. Je joue vraiment pas l'optimisation du personnage parce que j'ai tellement de choses à monter que le personnage je vais pouvoir le monter dans peut-être 3 mois tu vois, donc autant te dire que je l'optimise mais genre pas du tout. 177k, mais qu'est-ce qu'il fait là lui? 177k, pas un souci hein. C'est le moment où le choc te propose d'affronter 3 teams Nick Fury à 54 plus. Ouais, c'est ça. Tu fais. Moi j'ai une team, ma team vilain, genre. Souvent, la seule chose que je peux taper, c'est des teams Defender. Je sais pas pourquoi. C'est toute l'histoire de ma life, ça. Et du coup, je peux pas la jouer. Parce que sinon, je perds, quoi. Alors, des fois, j'ai envie de perdre, tu vois. Mais des fois, je prends vie. Ah, bah, du coup, elle va la raise. La petite coquinette. Ouh là là, mais ça va être un peu chiant ça, non? Quoique la Minerva, avant qu'elle refasse un raise là, il y en a pour 6 jours.
Crinard, j'aurais dû avouer sur le. Sur le Groot pour optimiser mes dégâts, mais c'est pas grave. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Eh ben merci gros, pour le contenu Twitch, la bonne ambiance et le kebab. J'ai remplacé ça par le poète-poète en attendant. J'ai trouvé un poète-poète les mecs, putain, je vous ai pas dit. Merci, merci, ça fait plaisir. On lui met des têtes. On lui met des têtes, on lui met des têtes. Il connaît pas en plus, on lui met des têtes les gars. Merci gros, ça fait plaisir. J'ai trouvé un poète-poète, je devais l'acheter aujourd'hui. J'ai complètement zappé. Ce matin je travaillais pas, je me suis levé à 11h, mais comme une grosse merde, comme une grosse luck. Et heureusement je me suis sorti les doigts parce que j'étais parti pour mettre les dessins animés. Du coup je l'ai pas acheté. Et il faut que je l'achète là pour mardi prochain, je vais l'acheter. C'est quoi cette tête une tête de chinois qui bouge, Pogchamp, mort de rire. Salut Artna, ça va ou quoi, qu'est-ce qu'il dit? Des têtes de partout. Et ouais, je vais acheter un poète-poète. Alors celui-là, les mecs, il tue. Poète-poète de le retour. Ah, celui-là, vous allez le kiffer, celui-là. Du coup, poète-poète-poète, ben il est là, mais il marche pas. Donc celui-là, ça va être la retraite. Je vais l'afficher, je pense, quelque part. Hein, ce sera le premier poète-poète. Puis qui sait, peut-être que dans 10 ans, il y en aura... Enfin, dans un an ou deux ans, il y en aura je sais pas combien derrière moi. Voilà, je me ferai un collier à base de poète-poète pour les lives. Mais là, j'en ai trouvé un. Ah, il est tellement ridicule. Il est tellement nul. Vous allez le kiffer. Vous allez le kiffer, les gars. Poète-poète 3, il en a tué deux. Ben, j'en ai tué un deux fois. Il est bien long, le combat. Ouais, c'est pas faux. Bah, désolé, gros, désolé. On va essayer d'accélérer le truc. Et voilà, il suffit de demander, et attends, tu peux avoir tout ce que tu veux ici. Mêlé au mur, ouais. Ben là, je me demande, qu'est-ce que je vais faire en fond vert? Est-ce que je vais pas en faire un? Je sais pas trop. Et bim! C'est Goldo en pleine muscu, salut les copains, salut Lolo. Salut Goldo, merci gros. Il est en train de se muscler, les potes. Là, dites-vous qu'il est dans une salle de sport avec plein de gars musclés et qu'il regarde sur son téléphone un mec chauve. Les gars, ils doivent le regarder et se dire, putain, lui... Oh là là, alors lui, il fait partie de l'équipe. Il est de la jaquette. Ah, bah, putain de merde. Allez, bim. Et c'est le rip, c'est de pire en pire. Putain, c'est une horreur. C'est bizarre parce que moi je suis encore cool, tu vois. On est de retour, les mecs, vous pouvez refresh, on est de retour. Donc je disais, déjà on lui met des têtes. Merci Goldo, merci gros, merci, ça fait plaisir. Merci, on lui met des têtes. Il a cassé le stream. Il disait, dites-vous que là, il est à la muscu, entouré de plein d'hommes musclés, saillants, et de sueur. Et il le regarde, et lui, sur son téléphone, il regarde un chauve. Il doit se dire, ouh, lui, il est de la jaquette. Il est de l'équipe. Il fait partie de... Voilà, tu vois. Oh, Goldo. J'ai atterri sur l'équipe. Je sais même pas si c'est SFR parce que mon jeu il marche encore, c'est ça que je comprends pas. Le chat marchait, tout marchait, tu vois, j'ai pas été déco. Je comprends pas. Je
pas pourquoi ça fait ça. Ça me désespère. Ça me désespère. Et du coup, ouais, je voulais dire qu'il restait une Team Fury au complet, ça a été long de les tuer. Ouais, mais au final, on les bute, tu vois, mais c'est ça le principal. Parce qu'au final, on se les fait, quoi. Faudrait que je regarde comment faire pour savoir si je suis cool ou pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me demande si je suis vraiment déco, en fait. Le chat sur le côté marche pas, c'est normal, ça va revenir. C'est normal. Il va mettre 5-10 minutes pour revenir. Salut Rosita, ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Hop, on était en choc, on a dit. On était en choc. On était en choc. Avec tous ces dons, ce que je vais faire, c'est que c'est moi qui vais payer la fibre optique. Je vais leur dire, venez les mecs, mettez-nous la fibre optique, parce qu'il y en a plein le... Voilà, quoi. Hein, ça va pas. Comment ça, 70? Ouh, ça. Je me lève à 11h, je suis fatigué. Je me lève à 7h, je pète le feu. Va comprendre comment je fonctionne. Ils peuvent pas mettre en choc le classement direct. Eh ouais, c'est vrai que ça serait top. Hein. Ça lui a dit là, qu'est-ce qu'il dit? Le level 75, c'est pour quand? À mon avis, pas avant 2-3 mois. C'est sûr, même. Je pense. Va falloir attendre. 2-3 mois, ouais. Rah, il a bloqué la capacité de mon... Mon Iron Man est minable, je vous le dis. On commence à économiser. Oh, je pense qu'on a un petit peu le temps. Et le mieux, c'est continuer à up, en fait. Tu continues à up, mais tu gardes tes orbes d'or. Tu vois? Déjà, pète direct, lui. Tu gardes tes orbes d'or. Ça c'est bien, tu vois. Oh là 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 là. Fait découper là. Ça peut peut-être passer, hein. Ça m'étonnerait, mais ça peut peut-être passer. Voilà, c'est pas mal, c'est pas dégueu. Faut que je les empêche de jouer. C'est tout à fait ce que je fais. On se met de du buff def. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, ça passe. Vous savez ce qui est le plus long à farm, les cris pour NF ou les ravageurs gardiens pour SL? Oh les cris, oh, sans, là il n'y a pas de photo. Sachant que j'ai déjà Drac 5 étoiles et Gamo 5 mais pas RR ni Groot. Eh ben Groot tu peux le farm, et il a une node où tu peux le farm, ou deux, une ou deux, je me rappelle plus, une je crois. Et Rocket tu peux l'avoir en raid. Donc du coup ça te fait un seul personnage à farm avec de la campagne en fait. Après tu achètes un. Wesh le check, qu'est-ce qu'il dit? Donc vaut mieux que je me tourne vers Star-Lord? Ouais. C'est un travail de longue haleine. Vraiment, vraiment très longue haleine. Surtout quand t'es au début du jeu, que t'as pas tant avancé la campagne, t'es obligé de... Tu galères parce que t'as très peu d'endroits où les farm. Après, plus tard, ça va, tu vois, parce que t'as plus d'endroits où les farm. Mais bien sûr, SL, c'est... Et puis maintenant, en plus, tu peux mettre du heal avec, tu peux mettre Stamantis, tu peux mettre Minerva, tu peux jouer, quoi. T'as moyen de faire quelque chose. Ce n'est plus qu'un personnage PVP comme avant, quoi. C'est un personnage... C'est mon chef d'alliance qui s'embrouille dans le mondial.
D'ailleurs, le Discord de mon ami utilise tes vidéos pour les débutants. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ah, les vidéos pour les débutants, c'est un truc qui m'avait pris énormément de temps à faire pour que ce soit assez compréhensif et tout. J'avais tout écrit, je me rappelle, j'avais montré, à l'époque, je montrais mes feuilles où j'avais, genre, pour une vidéo, 4 feuilles à 4 recto-verso. C'était la folie. Je regarde pas du tout le chat depuis tout à l'heure, hein, je te le dis. De l'amour, les potes, de l'amour, les potes, de l'amour, de l'amour, les potes. Eh ouais, il faut de l'amour. Les feux de l'amour. Il passe pas mon message, non? C'est quoi, c'est l'amour qui... Ah, ça y est, c'est passé. Waouh. C'est normal que le chat du live est bloqué. Ouais, ça devrait pas tarder à revenir. C'est Goldo qui a fait bugger le truc. C'est Goldo. Qu'est-ce qu'il dit, Grogus, ça va ou quoi? J'ai vu ton message hein, sur mon chat. Bah, du coup, on t'a très très bien répondu. Du coup, je me suis dit, bon, bah voilà. Quoi. Hein, c'est très bien. Quoi. Plutôt propre. Quoi. Hein? Quelque chose de plutôt propre. Ça, je l'auto. Hein. De type facile, quoi. Alors moi, les gars, ce soir, je vais ouvrir de l'ARS et je veux de l'ARS. Je veux de l'ARS et j'aimerais bien avoir de l'ARS sur mes shields parce que mes shields sont qu'à 190k alors qu'ils sont tous T12, quoi. Donc j'aimerais bien passer à 220, 240... de l'amour, Lolo. De l'amour, les mecs. Qu'est-ce que vous, ils ont répondu? De l'amour, voilà, de l'amour. Il faut de l'amour. Il vient cet RS bio, j'espère. Ou vegan, ou un vegan, ça me dérange pas. Franchement, l'un ou l'autre, je suis chaud, quoi. Je prends tout ce qui est CTR, juste pour y croire. T'as qui en shield qui a des RS tout le monde, je crois, à part le surveillant, en fait. Vision, ça me rend fou le machin, si c'est ce qui fait ta vie. On a dit les shields. Alors, j'ai 4 RS sur Nick Fury, donc je suis quand même assez content, surtout qu'il va passer 6 étoiles demain, là. Jeudi. J'ai 3 étoiles sur l'infirmière, il faudrait que je passe 7 d'ailleurs, quand j'aurai fini les Defenders. J'ai pas d'étoiles sur le surveillant, quoi. 4 RS Nick Fury, c'est sympa, mais ce qu'il faut, c'est 4 RS de partout, gros. C'est un perso et 4 RS, c'est bien, mais il en faut partout. Et voilà, j'ai elle, mais je la joue pas. J'ai lui, mais lui, je le joue, mais voilà. Bah, lui, d'ailleurs, il va passer 6 stars, là, avec le choc. Et puis voilà, quoi. Voilà, et qui va passer 7 parce que je l'achète en raid. Tranquillou, quoi. Il me manque quelques RS. Là, un petit 4 RS pour le faire passer à 50k, ça serait plutôt sympathique, tu vois. Je prends 15k sur ma team shield, là. Déjà, ça commence à ressembler à quelque chose, quoi. C'est un moment. T'as des persos, t'as pas d'RS, t'as des cheveux, t'as pas de shampoing, quoi. Les meilleurs RS, c'est chez les shields, c'est sur le surveillant, mais bien sûr. Ah non, mais putain, t'as du RS sur le surveillant, t'as tout gagné. Ben moi, c'est le seul où j'ai pas d'RS, quoi. C'est fou. C'est la section naturelle, les mecs. Ça aussi, je l'auto. 5 RS sur le surveillant, pour moi, il est à 47k, mais c'est le seul vraiment bien fourni. Ah ouais, mais le surveillant, c'est le top. Hein. Franchement, le surveillant, t'as du RS sur le surveillant, mais t'es bien. Récemment, il y avait un mec qui avait shit sur Dimension Noire et s'est fait ban 2 jours après. Bien fait pour lui. Ça lui fera les pieds. Bien fait pour lui. Mais j'avais vu. Le mec, il avait même pas mis en roster, je crois. J'avais vu ça. Une ouverture d'orbe est prévue après le week. Ouais, j'ouvre tout. J'ai 160 orbes, je crois, en tout. 160, un truc comme ça. Plus celle de choc, donc tu vois, tu vas être servi. J'ouvre de tout, j'ouvre tout ce que j'ai. Dites-le, hein, appelez tout le monde, appelez toute votre famille, toute votre guilde, votre alliance, vos anciens potes, même à ceux que vous parlez plus, même à ceux que vous aimez pas, dites-leur, je vais tout ouvrir. J'ouvre tout, je m'en fous. J'ouvre tout. Salut Fredo, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Merci. Bon chance. C'est Victor de Tropoya. Bon chance. Je suis pas level 65. Ça consiste à quoi la dimension noire? C'est un défi sur le temps, si tu veux. Genre, c'est des nodes. Il y en a 10, si je me rappelle bien. Il y en a 10. Et c'est des nodes très, très durs. Très, très durs, en fait. Et tu les... Salut, Zan. On dit bonjour à Zan. Et,
Et en fait, petit à petit, tu ponctionnes de la vie, mais, et puis ça reset pas, tu vois ce que je veux dire? La dimension noire à se faire laver en boucle. Ça consiste à en chier pendant 10 jours pour passer une date. Non, la dimension noire, ce qui est bien, c'est qu'on a énormément de ressources qui tombent. Après, c'est pas l'Amérique, quoi. Mais là, ça va être up. Ben, normalement, ou demain, ou la semaine prochaine, probablement la semaine prochaine, ils vont le up. Et du coup, il y aura beaucoup plus de récompenses à gagner. Et du coup, ça va être beaucoup plus intéressant. Voilà. Je fais oui de la tête pour mon écran. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tout à l'heure, il y a Anto qui passe au magasin et j'arrive derrière lui et je fais hey, salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sérieux. J'ai 6 arrêts sur surveillant mais trop occupé avec mes defs, tech gardien, etc. Je vais chercher Fury du coup, ok pour les shields. Ah, faut avoir Fury, ça part de là. Je dis ça mais je l'ai fini deux fois, moi aussi pareillement. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai fini. Au début, ça m'intéressait pas trop, et puis finalement... Ah, quand même, il y a Groot, donc à mon avis, il va quand même piquer un peu son RR. On va voir. On va plutôt taper ça d'abord. Ok, parfait. Là, ce que je fais, c'est que je l'empêche de jouer en fait son crossbones. Le RR va à E, mais c'est pas trop grave. C'est pas trop grave, je suis full life. Voilà, allez, dégage, on t'a dit. Ok. Maintenant, il va à E, il va me faire un petit peu mal. Il a DRS, voilà. Mais c'est fini quoi. Ah, tu peux aveugle qui tu veux. Bon. Pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Et hop, ça fait des chocs à pic. On buff de tout le monde, on met tout le monde full life. Et là, on va défoncer son rocket. Tranquillou. Ah, mais tu vas crever, mon gars. Allez, allez. Oh, il a une deuxième AOE. Oh, je l'avais tellement pas prévu, celle-là. Oh, pff, vache. Ah, elle a piqué, celle-là. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va buter le truc qui fait le plus de dégâts. Pas de raise, normal. Contrairement à étonné. Là, je vais pouvoir bientôt invoquer avec mon Nick Fury. D'ailleurs, tout de suite. Oh là là, mais quel. Cet homme est dans le futur. Non, les mecs. Voilà, tu dégages. On va heal Nick Fury. Et c'est la win. Je l'ai dit au gars qui voulait en goûter le. Ça veut dire qu'on pourra refaire la DD. Non, on pourra pas la refaire. Enfin, si, tu peux la refaire si tu veux. Mais quoi, RIP? Ah, je croyais ma team. Pas le raid. Non, live marche, les mecs. Tu peux refaire la Dark Dimension, ouais. Tu peux déjà la refaire. Mais par contre, là, t'auras pas besoin de la refaire. Ils vont te donner direct, en fait, ce que t'as eu. Ouais, Chassel, ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? Oh, ça marche chez moi, les gars. Ça marche, non?
tête. C'est Fox Next. Bah ouais, je sais, je sais. Je savais pas qu'ils étaient un peu menteurs, mais récemment, on a vu qu'ils étaient un peu menteurs. Qu'ils avaient dit plein de choses par rapport au RS et tout, et qu'il y a un gars, il a ressorti tous les messages qu'ils avaient faits. Et c'est du clafoutis, quoi. Hein. C'est vraiment du clafoutis ce qu'ils nous ont sorti. On sait lire sur les lèvres en 240p. Moi je vois en 720p là. De toute façon je crois que à mon avis le soir on peut voir qu'en 720, non? Ah! On peut voir en 360 et tout. Ah, bah aujourd'hui tu vois, il commence à me respecter un peu. Il était temps, j'ai envie de te dire. Il commence à me respecter. S'ils augmentent de 100K chaque node, ça fait 2 millions offerts si tu l'as fait deux fois en gros. Ouais, oh, c'est quand même pas l'Amérique, hein, 2 millions les gars. Hein. 2 millions, quand tu vois qu'on a dépensé genre 260 millions ou un truc comme ça, tu te dis 2 millions. Bon, après, on va pas cracher dessus, hein, je veux dire. Hein. Mais quand même, quoi. Ça a planté juste après le message sur les shields. Ah ouais. Ah ouais, putain! Pendant ce temps que ça? Ils ont dit juste les trois premières nodes. Ah, c'est juste les trois premières nodes. Ah! Non, les trois premières nodes, c'est juste. Ils vont les rééquilibrer. C'est tout, je crois. C'est les plus durs, en fait. Non? Je crois que c'est ça. Hein. Je crois qu'ils vont juste rééquilibrer. Par contre, je crois qu'ils vont augmenter les. Je me rappelle plus. Ça doit être d'un mois et demi. Tu sais, ils disent des trucs et puis. Ils laissent couler pendant 6 mois, comme ça au moins. Je peux pas te dire, franchement je me rappelle plus. Faudrait le ressortir le truc, hein, mais il y en a tellement eu. Et bim, et bim. Et c'est Tarantula qui prend une carte fidélité. Merci gros, merci. Bienvenue dans la Kebab Family. Bienvenue dans la Kebab Family. Choisis ta sauce. Choisis ta sauce. On lui met les têtes, les mecs, ça fait plaisir. C'est quoi le nom de la team SL Vision RR Crossbones? Et Black Widow ou Thanos ou machin. T'as des têtes de partout. Le nom de la team. Moi j'ai Black Widow avec. Après c'est une team tech quoi. On appelle ça une, moi j'appelle ça une team tech. La note 3 elle est horrible la première fois que tu rentres dedans. La note 3 c'est celle avec. Avec l'agent du shield là. L'agent du shield et l'infirmière du shield, si je me rappelle bien. De la merde. Horrible cette note. Horrible. Je me rappelle. Tu sais que j'ai arrêté de la faire pendant au moins une semaine à cause de cette note. J'en pouvais plus de cette note. Elle me rendait fou. Et puis petit à petit. Voilà. Bah, c'est à partir de là où j'ai commencé à la jouer en fait. Et plus l'auto, cette dimension noire. Enfin, pour cette note, je l'ai joué. Après, j'ai tout auto jusqu'à la fin. Et après, la deuxième fois, je sais pas pourquoi, j'ai roulé sur le truc. J'ai tout auto, j'ai roulé sur le truc. On dirait qu'il était plus simple. En fait, ils vont downgrade les récompenses et nous voler des matos. Ah ouais, c'est ça. Ben merci, Tarantula. Mais il n'y a pas de quoi. Merci à toi pour toutes tes vidéos YouTube qui m'aident beaucoup. Eh ben écoute, voilà. Après, il y a plein de gens hein, derrière tout ça. Hein. Je discute beaucoup avec plein de gens. Je récolte un peu les lauriers. Mais il y a plein de discussions avec du beau monde. Hein. De toute façon, c'est pour ça qu'on voit, c'est en bas à droite de votre écran, vous voyez toutes les petites icônes là. Le bistrot des Avengers, Exa, RU. Il y a quand même beaucoup de discussions, de théorie crafting, de pourquoi t'as monté ça, t'es qu'une grosse merde. Non, parce que toi t'as monté ça, c'est toi la grosse merde. Enfin voilà quoi, beaucoup de camaraderie. Salut Gold, ça va ou quoi? Alors les RS, eh ben, on va les ouvrir là, on va les ouvrir. Ah ouais, non mais cette note Vincent gros, mais c'est une horreur, c'est la pire note de la Terre. Oh là là, c'est... Pas de... Ce qui m'a rendu le plus fou, c'est quand j'ai tué l'agent et que juste après la médic du fil la res... Ah ouais, j'ai jamais eu le problème, mais c'est marrant. C'est marrant. Ah la vache. Je bloque plus Miss Marvel, la 5. Oh, bizarre. Si jamais... pour ceux qui veulent de l'aide sur les... comment ça s'appelle? Sur la Dark Dimension, il faut aller sur le Discord des rues. Vous allez sur le Discord des rues, vous tapez slash raging. Slash Raging, voilà, hop, ça c'est le Discord des rues. Tout en bas, il y a un channel qui s'appelle General French. Et vous demandez les commandes. Et en fait, la commande, en fait, vous tapez slash DD
et collé au DD, vous mettez le numéro de la node où vous êtes, et il y a un bot qui va vous envoyer un message avec une image sur qui c'est qu'il faut focus, pourquoi, ses origines, voilà ce qu'il compte faire dans la vie, son CV, tout. Il vous explique tout. Tout. La note 3, c'est l'horreur, j'avais lâché, je l'ai passé avec mes Defenders à 6 stars. Oh non, mais après, dès que t'as tué l'élite, par contre, ça passe tout seul. C'est juste au début, c'est chiant, faut baisser un, baisser l'autre et tout. Enfin, c'est. Pff, c'est même pas du. Enfin, c'est pas que c'est. Faut avoir du dégât, quoi. Faut avoir du dégât. Faut que t'aies un gros punisher et ça passe. La note Miss Marvel, moi, je m'en rappelle pas, elle m'a pas choqué celle-là, tu vois. La note Miss Marvel, c'est pas celle qui m'a le plus choqué, je pense. Ça me dit pas plus quoi. La note Miss Marvel, je crois que c'est une note. Mais non, elle est trop simple la note Miss Marvel. Tu tues juste la Miss Marvel et après je crois que t'as des captains, non? Et tu les gardes des captains. Captain, tu les gardes, tu les tapes pas. Groot, MM, Cap, Captain Drax. Ah ouais, non, mais c'est ça, mais t'as un Drax au début, tu le tues. Voilà. Ou Miss Marvel d'abord, tu fais Miss Marvel, Drax, Groot, tu t'en fous. Et après, je crois que t'as des roquettes, des machins comme ça. Et après, t'as un Drax qui repop. Mais elle est pas dure celle-là en vrai. Faut du dégât quoi. Voilà, c'est comme pour tout, j'ai envie de te dire. Le pire, c'est celui avec les Scarlet Witch. Tu vois, non plus, il m'a pas choqué, tu vois. Ah, moi, franchement, celui qui m'a le plus gavé, c'est le troisième quoi, un truc comme ça. Hein. C'est le seul que j'ai dû jouer quoi. Sinon, tous les autres, je les ai pas joués. La MM avec Scarlett baisse la vie. Ah oui! Oh, ça va, c'est pas fou ça. C'est... Franchement, avec un peu de dégâts, ça passe. Avec un petit punisher. Si. Groot qui lâche 24, MM qui taunt et auto-heal en plus de RR qui mettent du dommage. Y'a pas pire. Moi, je me rappelle que cette note, j'avais passé genre 20 minutes pour la finir. Parce qu'à la fin, j'avais deux Miss Marvel. Je crois que j'avais deux Miss Marvel à la fin et j'arrivais pas à terminer, je devenais fou. Oh, moi c'est vraiment la troisième hein, qui m'avait un peu... voilà quoi. Mais au final, la deuxième fois, quand je l'ai passé, j'ai défoncé dès le premier. En fait, je l'ai pratiquement passé en premier coup. J'ai défoncé direct la... La Renoir et je suis passé sur la l'infirmière et c'était... Il y en a quand même plusieurs que j'ai presque one shot sur le deuxième passage. Le deuxième passage je le trouve beaucoup plus simple que le premier. Alors je sais pas si j'avais pris 1 million de rosters entre temps, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais ouais, le deuxième passage était bien plus simple. Ta vision aussi dedans, ouais c'est ouais. Ah ouais, c'est un peu chiant, ouais, ça pose des saignements. Ce que je veux dire. À 804 rosters, j'ai galéré. Ah ouais, putain. Ah, moi, quand j'ai vu que t'avais des récompenses que quand tu le terminais que deux fois, quoi, j'ai dit, oh bah ça va passer tout seul. Avec nos levels StarTech et les RS, c'est plus le même délire que lors de notre première fois. Ah ouais, c'est peut-être ça aussi. Mais moi, je me suis jamais trop excité dessus. Mais c'est vrai que ouais, c'est vrai que par rapport au début, c'est vrai que ça commence à vieillir, hein, la Dark Dimension. Hein. Va bientôt falloir qu'on passe à la suite, hein, bientôt là. D'ailleurs, c'est une idée où on récupère plus de récompenses la deuxième fois. J'ai eu 1080 catalyseurs orange au lieu de 700. Ah oui, tu récupères plus la deuxième fois. Ouais. Vision supprime tous les effets. Ah, et ça, c'est chiant ça. De toute façon, Vision, c'est totalement cancer comme personnage. C'est l'un des personnages les plus forts du jeu, je trouve. Vision, c'est vraiment trop trop fort quoi. Tu peux le mettre avec n'importe qui, il va te casser les couilles. En fait, c'est pas compliqué. Il peut être. Peu importe qui est en face, à partir du moment où il y a une vision, ça te casse les couilles. La suite, c'est les Gardalis. Les Gardalis, c'est la semaine prochaine, les gars. C'est le 28. Donc là, ce week-end, on va avoir un blog des développeurs assez chargé, je pense. Parce que là, il va se passer des trucs. Hein. Alors là, pour ceux qui sont endormis, les mecs, ça va bouger. Hein. Il y a tous les events, enfin il y a quoi, il y a le Payday Event, donc celui qu'il y a aujourd'hui là avec l'argent qui va revenir. Il y a celui des catalyseurs, il y a la main, le Payday, il y a... Merde, c'est quoi le troisième?
je me rappelle plus. Il y a les 20 Rocket Raccoon, Groot, le Ant-Man Wasp. Il va y avoir en même temps, il y a le truc de Widowmaker et compagnie. Et en plus, ils sortent les Gardaliens. Alors là, les prochaines semaines, les mecs, ça va être surchargé. On va pas arrêter. On peut faire que deux passages en Dark Dimension. Non, on peut en faire tant qu'on veut. On peut en faire tant qu'on veut, mais il y en a que deux où tu récupères des récompenses. La Dark Dimension, je bloque sur la troisième. Ah, c'est ça. Il faut descendre, en fait, deux personnages, les uns avec les autres. Et voilà, c'est ça, en fait. Il faut du dégât, quoi. Et Miss Marvel et Scarlet Witch, ouais, c'est ça. C'est ça, il y a ça aussi. Il y a les événements de la Saint-Valentin. Et en même temps, il y a tous les trucs Widowmaker. Il va y avoir probablement un gros... j'espère qu'ils vont nous faire quelque chose d'assez fou autour de la guerre d'Ali. Tu vois ce que je veux dire? J'espère qu'ils vont nous balancer un super truc autour de la guerre d'Ali. Et puis voilà, quoi. Je le défonce, ça, non? Je pense que je vais essayer parce que je sais pas du tout ce que ça vaut. Et y a les guerres d'Ali. Et les guerres d'Ali. Oh là là. Il y a aussi un raid qui va. Là, le raid va s'arrêter, donc il va y en avoir un autre. Il y a un event pyro. Alors ça, putain, ça c'est de la bombe. Ça, l'event pyro. Oh, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est de la bombe? Donc là, ça sert à rien que j'invoque. Parce que le maïs, sa première attaque, ça va être une AOE. Donc je ne vais pas invoquer. La première chose à faire, c'est vraiment de buter Valentino Rossi, je vous le dis. C'est vraiment lui qui... Voilà. Font des dégâts, les bâtards. Vache. Ça va être un combat assez long, je pense. Gilpa. Je tente le non-hilage, on va voir ce que ça donne. Ah, il a tellement DRS, son Miles Morales. Ça va peut-être du... Oh, bon. Ça va peut-être le faire, ça va le faire, ça va le faire. Voilà, par contre, je suis obligé... Parce que sinon, vu qu'elle va pas jouer, machine. Il a énormément d'RS, son Miles Morales. Il me fait beaucoup de dégâts. Vive les RS, quoi. Vive les RS. Ah, dommage qu'elle apparaisse l'autre. Tant pis. Là, on va pouvoir commencer à rigoler un petit peu. Déjà, il invoque, lui. Cette espèce d'artiste, là. Ah, il pose plein de break dev ce bâtard. Oh la bille qu'il a. Oh là là là. Oh là 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 là. Le. Ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est juste parce qu'il a des RS son mail, sinon c'est de la merde. Ça m'énerve. Beaucoup d'offres, ils ont dit aussi. Ouais, ouais, non, mais ça c'est sûr qu'ils vont récupérer. Trop de perso à up, je vais jamais suivre avec tout ça. Je vais pouvoir le passer. Il y en a qui nous fait. Il y en a qui nous. Il y en a qui nous faut, mais pas évident à avoir. Ah oui, comme oui, Pyro. Non, ça va aussi pour Magneto. Ben moi, j'aurais Magneto, les mecs. J'aurais Magneto. Tu en parles, la vidéo teaser des Guerres d'Alliance sort à l'instant. Arrête, on va aller les voir, les mecs. On va aller la voir. On va aller tellement la voir, quoi. Sérieux? Attends, je fais tag nulle part, là. C'est quoi ce bordel? YouTube, Marvel Strike Force. Pourquoi j'ai que des trucs de casino et de mobile gamer? Faut ce bordel. Please, ils ont pas. Il est où leur compte? Marvel Strike Force. Hop. Ah ouais, mais tu la vois où? Non, je la vois pas pourtant. Team Up Tales épisode 3. C'est ça, tu crois? Tu la vois où cette vidéo? Moi, je l'aurais Magneto, les mecs. Je vous le dis. Oh putain! Merci Overall, merci Overall. Alors attendez les mecs, on va faire un truc. On va faire un petit truc les gars.
Hop. Attendez, bougez pas. Merde. Bougez pas, les gars. Alors attendez, pour vous mettre le son, il va falloir que je fasse comme ça. Ouvrir les paramètres du son. Bim. 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 Je vais de suite vous mettre Google. Hop là. Allez les gars. Le trailer des guerres d'alliance, les mecs. C'est parti. On va pas mettre trop fort. Ah oui, je vais vous mettre le son aussi. Hop, ah, c'est bon. Hop. Non, énorme là en face de l'autre comme ça, ça déchire. Oh là là, oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que c'était ça? Ah, ça donne des fragments. Hop 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 hop, refais voir un truc là. Ah d'accord, quand tu tues un mec. Ok. Donc, ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Tu gagnes des points et à chaque fois que tu tues un mec, tu gagnes des petites. Ouh, c'est pas mal! Stylé, hein? C'est stylé, hein, l'héliporteur en face de l'autre. Hein. Tous les héros comptent, les mecs. Genre avec les lance-missiles et tout, les officiers qui auront des espèces de 12-7. Ah! Tu as tiré tout. Oh là là, ça a l'air énorme, les gars. Ça va être super. Ah, ça doit être ça, le plutonium, tu vois, le plutonium. Oh, ça a l'air fou, les mecs. Ça a l'air fou. On leur répond. Comment on fait? Ça, c'est un retweet. Ok, donc ça. Ah, d'accord, merde. Je suis con. Il faudra que je le fasse dans mon Mac. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, les mecs. Bon, c'est une petite vidéo, quoi. On va voir. Hop là, on revient au normal. Ils ont géré la vidéo. Ouais, grave, elle tue, hein. Elle tue la vidéo. Les RS. Dans le sabre, il est chaud à voir. Ouais, ça se. Tout se fait. C'est l'adamantium. Ah! D'accord. Mais chelou, in-game, l'orbe est pas la même. Ah ouais? En espérant que ce soit vraiment pareil aussi, car des fois, les vidéos sont trompeuses. Ah, ça va pas être comme ça. Hein. Ça va être... c'est de la 2D comme ça, pépouze. Hein. Mais voilà, quoi, un peu de hype, tu vois. Un petit peu de hype, un peu de PVP. On attend ça depuis tellement longtemps. Ça fait combien de temps, là, qu'ils nous en parlent? 2 mois, 3 mois? Ça commence à faire, hein. Ok, mon Twitch a bugué pile au moment où tu lançais la vidéo. Non! Mais t'inquiète, il y a le lien, tout le monde peut le. Et je le retweet. Ah ben non, je vais le retweet après. Hein. Retweet de suite. Hop. Comment ça se fait que je le suis pas? Ah si, je le suis, il est là. Hop, je le retweet. Et je rajoute un commentaire. Ah bah, ça y est! Ah bah, enfin! Ça va saigner, Adrien! Abzienne. Aucun heure. Abzienne. Ça va être énorme. Les alliances soir, ça va être fou. Ça va être fou, les mecs. J'ai hâte de te voir en voir, mon lolo. Ah, comme... Ah, là. Moi aussi, si tu savais. Si tu savais ce qui va se passer. Pour avoir dents de sable, tu gardes tes orbes. Et puis quand tu en as 200, tu donnes ton compte à Lolo. Exactement. Voilà, c'est franchement, il n'y a pas. Il faut pas chercher midi à 14h, les mecs. Imagine, il le repousse encore. Non, je pense pas. Je pense que c'est assez. C'est totalement à point maintenant. Ça fait des mois qu'ils sont dessus. Il y a un moment.
À un moment, faut que voilà quoi. À un moment, c'est où ça sort comme il faut ou ça va pas le faire. Ouais, il aime Black Widow. Lolo, il donne des Black Widow, ouais, c'est ça. C'est depuis quand toi est venu, hein. Depuis quand toi est venu, je sais pas si vous avez vu. Hein. C'est fou, hein. Il y a un truc, hein. J'avais pas jusqu'à dire que voilà, tu vois, que. Mais voilà, quoi. Quand même, il y a. C'est passé quand même quelque chose. Sympa la playlist de musique. Même Black Widow, c'est top. Pour ta Gigi et pas MM dans ta Puny Defender. Ah non, moi je joue pas Miss Marvel. Je joue pas Miss Marvel. Mais tuer des gens un petit peu. Tu peux pas laisser en auto sans qu'ils fassent n'importe quoi. C'est incroyable ça. Pourquoi? Parce que moi je joue les synergies, moi. J'arrête de jouer les teams, de monter 7000 personnages. Le truc c'est que quand tu veux. Si tu veux jouer une équipe optimisée de partout, il va falloir que tu montes un ou deux personnages de plus à chaque fois, tu vois. Et si tu montes un ou personnage de plus à chaque fois, au final, si tu regardes bien, ça te fait une ou deux teams en plus, en fait. Donc moi je mets pas beaucoup d'argent dans le jeu, j'en mets pratiquement pas. Donc je suis obligé de focus ce qu'il faut. Et je préfère monter une team entière que je joue entière. Et voilà quoi. Donc voilà, moi je joue comme ça. Je joue des synergies. Et c'est. Si tu mets pas d'argent, c'est l'un des trucs les plus rentables à faire. Enfin franchement, c'est l'une des meilleures façons de jouer. La preuve, hein, on a des très très bons résultats. Hein. Même meilleurs que d'autres, hein, Master Shy. c'est la guerre. Je lui donne mes orbes à ouvrir, mais pas les rouges. Ah ouais, non, mais c'est grave. Par contre, les rouges, faut pas tenter le coup. Hein. C'est tout, mais pas ça, quoi. Tu sais que les rouges, ça passera pas, quoi. Je pensais que Miss Marvel était plus fort que Jessica Jones. Ah non, non. Non, non, non. Miss Marvel, si tu la mets, c'est à la place de Punisher. Tu la mets pas à la place de Jessica Jones. Defender, avant de lancer l'auto, je lance toujours le skill de Daredevil. Ouais. Après, chacun sa façon d'optimiser, sa façon de jouer, hein, je veux dire. Chacun sa façon d'optimiser, sa façon de jouer, quoi. Il y a plein de façons de jouer. Il y en a qui ont des super... Enfin, il y en a d'autres dans mon alliance, parce que c'est là où je le vois le plus, hein, mais il y en a d'autres qui jouent pas du tout de ma façon de jouer et qui ont des très très bons résultats. Je parle pas des defenders hein, quand je dis ça, je parle de moi qui parle de la façon que moi je joue, c'est-à-dire de monter des synergies. Tu vois. Heureux avec ton Fury 4RS, très heureux. J'aimerais bien avoir un surveillant 4RS et là je serais encore plus heureux. Et là ma team Shield commencera à vraiment ressembler à quelque chose. Après il faudra que je chope des RS sur mes gardiens, mais bon les gardiens c'est moins urgent parce que je compte pas les monter T12 en fait. Que là je vais monter mes brothers au T12 par contre parce que j'ai envie. En fait ouais, j'ai envie de me faire plaisir. Je kiffe cette équipe et je l'ai pas et je la veux. Tu peux tester Miss Marvel, Scarlet, Witch, Wasp, Ant-Man et Tornade en choc. Alors Miss Marvel, ouais je peux. Scarlet Witch je peux pas parce qu'elle est pas montée. Wasp Ant-Man non plus. Et Tornade et ouais T10-60. La plupart des persos que tu m'as dit ne sont pas. Tiens, j'ai lancé skill 2 dédicace. C'est pour ce soir Lolo, et ben j'espère. On va tout donner les mecs, on va tout donner. Je compte sur vous, j'espère que vous allez me porter chance. J'espère que vous allez me porter chance. Je sais même pas si je vais avoir le temps de faire mes raids, bon je les ferai après, c'est pas grave. Brotherhood, c'est la confrérie avec Magneto. C'est trop fort. Si quand j'aurai Magneto, je vais le monter parce que ben du coup je pourrais remonter en arène et tout parce que là avec mes shields, ben je peux pas parce que j'ai pas de Red Star sur mes Sur ma confrérie, j'en ai plus. J'en ai pas des masses, mais j'en ai plus. Ce sera déjà un peu plus. Puis j'ai un gros Nick Fury que je mettrai dedans. Le fléau Magneto Pyro Mystique est dans le savoir, exactement. Puis ça me fera une team très forte qui est forte de partout. Donc. Je vais montrer déjà T11 et puis après on verra. On verra ce qu'on fait. Chaque chose en son temps. Tout vient à point qui attend midi à 14h. Donc il y a un moment, je pense que c'est le meilleur choix. Quoi. Team hybride BH Fury sont OP, mais carrément que c'est OP. C'est totalement OP.
Et je pense que enfin, plus j'y pense et plus j'en parle et plus, enfin, plus j'en parle avec d'autres gens et plus plus j'ai pas envie de monter mes gardiens T12 et de monter vraiment mes BH par contre. Comment tu fais pour pré-enregistrer les teams? En haut à droite, un de mes gars a chopé l'infestateur IM6RS, il a arrêté le jeu. Quand tu fais changer d'équipe, là t'as un petit gris, hop, t'appuies dessus, et là t'as toutes tes équipes enregistrées. Allez, là t'as toutes tes équipes, et quand tu vas en enregistrer une, bah tu la fais là-dedans en fait, et après t'appuies là, t'appuies sur ce bouton là, qui est juste là. Voilà. Tout simplement, bon, on est pas mal, bon, bah, on a fait les 750, je peux même peut-être passer la voleuse en... Ah bah oui, tiens, je peux la passer 6RS, 6... Et hop, 35 à 38 peut-être. 37, bon, c'est pas fou, mais c'est toujours ça de prix. BH plus Fury, c'est encore plus simple que BH plus Tech. Ouais, voilà, il y a BH plus Tech à faire aussi. Il y a franchement, il y a plein de teams à faire intéressantes. Tu peux mettre Vision dans tes BH, tu peux mettre Nick Fury, tu peux... L'écrit avec Minerva, du coup, ça commence à être meilleur, là. Beaucoup jouent ça en choc. Et en arène. Ah ouais, en arène... Enfin, en tout cas, pas dans la mienne. Après, moi, j'ai un niveau dégueulasse. Hein. Enfin, je suis un niveau dégueulasse. Je suis pas très très haut dans mon arène, quoi. Mais je vois pas de Minerva. Récupère ton énergie. Je l'ai pas déjà récup. Ça, si, je l'ai déjà récup. Ah ouais. Merci. Merci, mais je l'ai déjà récup. J'ai récup direct. Est-ce qu'on a le temps de faire un bout de raid? On va garder le raid Miles. Mais peut-être un petit bout de raid. Oh là là, ils l'ont lancé il y a 3 heures. Ça va, je croyais qu'ils venaient de le lancer. Alors, moi, maintenant, pour m'éclater un petit peu. Le raid du 6, je l'auto. Bon, des fois, j'ai ma team elle meurt. Mais je joue une team que j'adore. C'est ça. Alors, ça, j'adore. Ça, j'en peux plus. Hein. C'est à 170k et ça fait le café. Fait voir ma team shield à combien elle est passée. J'ai tapé un 6RS dimanche. J'ai vu la couleur, j'ai hurlé. Je ferme les yeux, je l'ouvre. Le Kaïd. Fin du game. Ah là là. Il existe une team viable avec Ant-Man, j'ai chopé 7 RS dessus. Ben moi perso j'ai... Ouais je pense. Ouais carrément. Genre Ant-Man, Wasp, je sais pas moi que je mettrais Ant-Man, Wasp. Et je mettrais genre Iron Man, War Machine et Captain, tu vois, par exemple. Après faudrait y réfléchir, mais ce serait un truc comme ça que je ferais moi. Le Kaïd, décidément, bah même combat gros, j'en ai un 5RS, tu vois. Même combat. Hein. D'habitude, t'as de la chance en premium, mais pas RS, alors ouvre les RS d'abord. Allez, on fait ça. On ouvre des plus gros. On va... Bah, je vais quand même ouvrir les chocs, les raids et tout. Hein. Et pour Killmonger, c'est quoi la team viable? Ah, c'est une bonne question, ça. Je sais pas. C'est à toi de me le dire, gros. Je vais faire une vidéo Killmonger, les mecs, bientôt. Je vous le dis. Vous allez voir du gameplay Killmonger. Ça sera fourni par Hassel. Vous pouvez lui faire un bisou. Tout le monde lui fait un bisou. Mais chacun son tour. Chacun son tour, quand même. Et on va se faire une petite vidéo avec ce Killmonger. On va voir. Je sais pas du tout. J'ai pas encore trop regardé le perso. Je sais pas trop avec quoi on va le... Avec quoi on va le... Comment ça s'appelle ? On va le coupler. Au pire, on le mettra dans une team où ça DPS. Et puis voilà. Let's go 7RS. Ah ouais ? On raid même pas, on go RS. 21h10 comme ça. Vous êtes comme ça, vous. Beast to flex, quoi. Un raid est plus simple avec un bon 7RS. Oh là là! Ah, c'est pas faux. Mais bon, si je chope rien, je serai dégoûté. Et je vais faire la gueule. Comme d'habitude. Bon, ben on y va. Allez, c'est bon, on va ouvrir. On ouvre quoi, alors? Tout? On ouvre tout? Qu'est-ce qu'on ouvre?
Je vais le monter, moi, qui ai utilisé RS et le foutre en choc avec que des plots à 250 à côté pour que les copains se cassent les... Ouais, je mets une bonne, ça va ou quoi? Tout, on garde... Ouvre tout, on... j'ouvre tout, j'ouvre tout. Okay, okay. Bon, allez, on commence par la raid. C'est parti. Et j'ouvre tout et je démarre par les RS? Non. Non, non, j'ai pas eu un 7RS. Je vais l'avoir, là. Je vais l'avoir. Wesh, le Bruce, qu'est-ce qu'il dit? Si j'ai un 7RS Hulk Bruce, on échange nos comptes. Promis, je te laisse mon compte. Y a pas de souci. Il faudrait que les invocations de personnages soient affectées par les RS. C'est la fin, les RS. C'est à la fin. Garde un peu de suspense. Allez, on y fait à la fin. Alors, on ouvre. On ouvre le reste. Vendu. Ah, c'est bien ça. Vite de l'acheter. Ronan 7RS. Putain, il va falloir que je le monte parce que ben, j'ai l'une des plus grosses team crie. Et du coup, je vais devoir me taper une lane crie sur le prochain raid. C'est parfait ça. J'étais content de l'apprendre. Donc, je vais devoir monter ce Ronan 70 T10 là. Au moins, je pense. Histoire de faire une deux notes de plus. J'aurais peut-être de la chance en ouvrant d'abord les RS. Franchement, je pourrais faire la danse de la pluie, me convertir au comment s'appelle au christianisme, ne plus faire l'amour, ne plus boire d'alcool, que j'aurais probablement pas de CTRS de toute ma vie quand même, tu vois. Je ne sais pas, je sais pas comment dire. C'est une esquive. C'est ça me fait penser à putain, c'est un film. Je sais plus quel film où le mec il avance, tu vois. Et je sais plus si c'est des flèches qui lui tirent dessus ou quoi, mais il y en a aucune qui le touche. Tu vois ce que je veux dire? Elles tombent tous à côté. Il y a rien qui le touche, tu vois. Ben moi les RS c'est pareil. Les RS c'est pareil. À quoi ressemble la danse de la pluie? Fais voir. Il faudrait que j'aille mettre un pantalon et je peux pas, je peux pas. Enfin, si je peux physiquement. Si je chope un 7RS, je suis comme un fou. Je chope un 7RS sur un bon perso. J'ai trop lynché Brian, mais Brian m'adore, les mecs. C'est grâce à nous, les gars, qu'il a encore un taf. C'est grâce à nous, les mecs. C'est grâce à nous qu'il a encore un taf parce qu'on parle de lui. Il le garde juste parce qu'on parle de lui. Ça fait 17 fois qu'ils essayent de le virer. Les gars, il est là que parce qu'on parle de lui, quoi. La team Ronan, Nob, Yondu, Thanos, Minerva fait très mal d'après la vidéo de Master Shy. Eh ouais, ça a l'air pas mal, ouais. Ça a l'air pas mal. C'est pas faux. Faut voir. Faut tâter, faut toucher, tu vois ce que je veux dire. C'est sûr que ça a pas l'air dégueu, ouais. Normal, il a joué en choc. Aïe, aïe, aïe. Nous vend du rêve, mais... Star-Lord derrière Thanos, Minerva, Drax. Il a les oreilles qui saignent carrément tellement on parle de lui, le porc, le porc. C'est une stratégie obèse de 60 ans dans le fond d'un placard chez Fox. C'est ça, c'est ça. Bon! Toujours pas de CTRS. Le gars qui a rien compris, tu sais, et qui débute le jeu. Putain, c'est nul, il loot rien en fait. Pourri cet opening, c'est de la merde. Oh putain, du jaune! Oh là là! Non, non, vous inquiétez pas, c'est pas du 7. Ça passe avec l'état de cri et ravageur sur les restrictions du raid en plus, non? Certains, il y a ravageur, ouais. Du coup, tu peux mettre Yondu, quoi. Yondu, Ronan, Minerva, autant dire que. Ça fait plaisir. Je suis le seul à plus avoir d'un million dans les orbes d'or. À plus avoir. Ah, t'en as plus. T'as plus du tout d'un million. Non, non, moi, ça fait un petit moment que j'en ai pas touché. C'est quand même un petit moment que j'en ai pas touché, je crois. Ça va peut-être revenir, mais là, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas dingo. Ouais, c'est des périodes, j'allais te dire. Hein. C'est bim, tu lootes plus. C'est Foxnex te donne et il te donne plus.
C'est un peu comme ça. La roue tourne, tourne. C'est ça, c'est ça. Et là, faudrait qu'ils commencent à en lâcher de l'or parce que bah là, ça va, il va avoir les events. Hein. Parce que pré-raid, pré-ouverture de raid, je trouve qu'on n'est pas très fourni. Ils auraient pu nous lâcher un mois d'event, quoi. Tu vois, enfin, moi, c'est ce que j'aurais fait perso. Les jeux, c'est ça, quoi. Hein. Voilà, hein, c'est go, quoi. Hein. Il y a dans un mois, on sort une grosse mise à jour, boum, on vous donne pour vous rester au niveau, quoi. Parce que là, ça fait peur, hein, ça va être dur. Hein. J'ai remarqué que j'étais souvent plus chatant en orbe après un achat. Oh! C'est les Illuminati, ça, qui te font croire ça. Hein? C'est les francs-maçons. Pas dégueu, on ouvre. Toujours plus de monde quand on ouvre des orbes. Je vais faire des lives opening, les mecs. Genre, je prends vos comptes et j'ouvre. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je prends vos comptes et j'ouvre toute la soirée. Voilà, je prendrai une souris renforcée sur le clic gauche, une souris BMW directement, ou une Michelin, voilà, une souris Michelin, et on fera quoi. Moi non plus, j'ai jamais eu de 3 millions, hein, je vous le dis jamais. Par contre, j'ai eu beaucoup d'un million. Vraiment, j'ai été assez servi. Enfin, faudrait comparer par rapport à des mecs qui ont autant de jeux que moi, mais bon, je pense que ça serait. La fourchette serait super large, quoi. Vu que c'est de la RNG, tu dois avoir des mecs qui ont chopé peut-être 200 millions, d'autres 300. Ouais, Chanto, qu'est-ce qu'il dit? C'était mon. Ça ne représente quand même pas les 20 orbes d'avant full minimum. Ah ouais, par contre, voilà. Il n'y a peut-être pas moins d'un million. Par contre, il y a beaucoup plus d'orbes au minimum. Je trouve. C'est surtout ça, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ok. Un petit peu de. De mils. De milès. En fait, c'est un peu un Spider-Man mexicain, quoi. Miles Morales. Morales. Toi qui voulais voyager, te voilà éparpillé. Poule vert, poule vert. Mais c'est ça, Anto Ido. Ah, oh, putain. Je vais recevoir un message de Scarlett, un de ces quatre. On va lui dire. Je vais dire, écoute, j'ai aimé ta prestation. En ce moment, je suis célibataire. Tu fais quoi ce soir? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Parce que, au moment, voilà, ça va arriver comme ça, quoi. Trop de minimum en orbe d'or. Eh ouais. C'est vrai que c'est vrai, il y a beaucoup de minimum. Il y a beaucoup de minimum. Toi, mon ami, mon camarade. Ta-na-na-na. Énorme, énorme cette musique. 75 milles. Tu vas te lever. Disparu au champ d'honneur pour sauver les trois couleurs. Ah, elle est énorme. Toi qui voulais voyager, te voilà éparpillé. Elle est horrible cette musique. Elle est marrante. La dernière fois, j'ai écouté le truc avec l'autre qui part à la chasse là. Genre midi 12, midi 32, midi 34. Tu vois? C'est. Ah, il me tuait de ce bâtard. Lolo MSF a téléchargé une vidéo dans Facebook sur les guerres. Ouais, j'ai vu, ouais. Ben en fait, on l'a regardé tout à l'heure. On l'a regardé tout à l'heure. Toi qui as pris Paris de partir en compétit. Tu n'éco pas les orbes de choc pour un futur perso? Non.
J'ai réfléchi et la réponse est non. Je réfléchirai mieux, mais peut-être, mais là, on va les ouvrir. On va les ouvrir. Ouf, c'est pour l'or en fait, surtout, tu vois. J'ai tout moi en choc. Je réfléchis. Ouais, ça fait quand ça, ouais, j'achète rien en choc. Je vais voir c'est quoi la boutique de choc. Ah ouais, non, mais ça fait longtemps que j'achète rien en fait là-dedans. Ouais, c'est pas con, c'est pas con. Après, je suis pas sûr qu'ils vont bien mettre à ajouter des trucs. Avec Galinette Cendrée. Non, c'est... Ils ont ajouté un... Ah ouais? Ils ont ajouté un truc dead? Non, c'est... Ah, c'est un mec qui va à la chasse, là. C'est à la radio, je crois. C'est mort de rire. Je m'en rappelle plus. Et 49,4 d'or, choc. Ah ouais, mais c'est ça, le truc. Par contre, ça fait énormément d'or de côté, quoi. C'est ça, le truc. Mise à jour... 20 février. Oh la vache, putain, je suis en français là. 20 février, le dernier truc. English. Non, y a rien. Je vois rien. Le Green Goblin à la boutique de choc. Ah, peut-être. Ouais, ouais. Pourquoi pas le garder? Allez, je vais le garder. Ouf, non. Ah, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que. Non, ça m'étonnerait. Enfin, même s'ils le font, de toute façon, ça ira vite. On le ravite, quoi. Bon, allez, je le garde, safe. Vous êtes en train de me faire... Vous me faites... hésiter. Orbe de chance. Qu'est-ce qu'on a dans la chance? Putain, les orbes de chance, c'est taillé pour moi, les mecs. Hein. Je préfère vous le dire. Des persos? Ok. Oh, elle est bizarre cette orbe, elle monte et elle descend super vite, tu sais. Ah, ça y est, redevenu normal. Ouh, c'est bien ça, 7 visions en plus, fois 7, putain, c'est beaucoup ça. Du Groot, c'est bien, je vais le passer 7. Putain, mais c'est pas mal les orbes de chance là. C'est le truc où t'as que des personnages verts là pour le choc en fait, je suis en train de griller. Donc c'est bien parce que j'en ai pas... Ouh putain, j'ai failli péter 675 corps dans cette merde. 27 000 d'or. Orbe de chance, j'ai eu 35 trax. Ouverture d'orbe de base. Ouh, une petite mystique. Vous aussi, vous n'êtes pas haut. Ah ouais, il y en a qui sont plus haut. On est à 29 000 sur 34 000. Elle est impossible cette phase. Hein. Et on en discuter sur le Discord d'Exa. Ah ouais, non, mais on n'y arrivera jamais, c'est sûr. C'est n'importe quoi. Hein. En plus, nous, avec Anto, le truc, c'est qu'on a tout ouvert une semaine avant, tu vois. On avait à 2600 et quelques, quoi. Donc on serait beaucoup plus loin, mais bon. Pourquoi mes messages partent pas? Ah, ça y est. Non, mais c'est clair, mais grave, Neliel. Même 200 orbes, ça fait pas énorme en fait. En vrai, ça fait que dalle. En vrai, mais bon, c'est toujours ça de plus quoi. C'est ce que je veux dire? Reviens, je suis pépère. Jésus, c'est pas un jeu, c'est pas un... Je crois pas qu'il ait fait beaucoup de sport lui. Hein. Lui.
Vous avez Scarlet Witch 7 étoiles? Putain, moi si je la monte, elle doit pas être loin du 7 étoiles, ouais. Bon, 88 éclats, je l'ai. C'est du foutage de gueule, cet event, ça a servi à rien. Oh, il est pourri. Bon, après, ça donne 4 trucs, mais c'est nul, quoi. Nul, 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 nul. Nul, Cristiano, nul. Nul, papin. Zéro, nul. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh là là, putain, j'en ai une fois tous les 36 du mois, ça. On sera toujours hors chacun d'entre eux. Ah, fais gaffe quand même. Cet event sert juste à faire dépenser toutes les orbes pour les futurs persos, comme beaucoup stackent les orbes en prévision. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils nous font grave cracher pour plein de trucs. Hein. Alors, en ce moment, ils veulent qu'on crache. Hein. Ils veulent vraiment qu'on crache. Hein. Voilà. Tu as un petit 50 Drax. Parfait. La famille. Ça... Ouh, ça c'est bien ça. Ah! Ma mantis, tu du 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 mantis, tu du 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 mantis. Pas dégueu. Ça part de là, les mecs. Mais sans, ça aurait été mieux. Ah, ouais, c'est sûr. On va pas se plaindre. Je vais m'asseoir correctement parce que si je chope... Oh ! Oh ! Oh ! Je m'assois correctement pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Pour faire quoi, bordel ? Ah, j'en ai marre ! Je m'assois correctement pour au cas où je chope 1 million, mon gars ! Pour au cas où je chope 1 million! Il faut clipper ça, les gars. Clippez-le avec Twitch. Clippez-le, s'il vous plaît. Clippez-le. Je vais faire un tuto. Je m'assois correctement au cas où je chope 1 million. Mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Bientôt. Je pense que voilà, un état va me contacter, tu vois, et ils vont étudier comment je fais ça, en fait, tu vois, et voilà, ils vont prédire des guerres, des attaques nucléaires grâce à ça. Le mec, 5 minutes avant, pleurait sur le fait qu'il ait 3 millions. Voilà. Je le savais qu'il fallait que je m'assoie correctement. C'est tout. C'est... Mais loot 1 million, c'est has-been, gros. C'est pour les tocards. On loot plus 1 million. C'est fini, ça. Je m'en fous. Tu sais quoi? Je me prends en photo avec le million. Et je le tweet. Ouais, non, mais il y a un moment, c'est bon, les 1 million, il y en a marre, ça sert à rien, 1 million. Je suis obligé de m'en faire pouvoir mail comme une grosse merde. Il n'y a pas besoin d'objets, on s'en fout, taille réelle, envoie. Incroyable, quoi. Incroyable. Il y en a qui ont essayé de le faire. Il y en a qui ont essayé. Mais non, moi, j'enchaîne tout, les gars. La Nadal, la Mac, tout. Incroyable. C'est fou. Comme la dernière fois, quand j'ai le back-to-back, et c'est un back-to-back, mon gars. J'espère que tu vas drop SS7RS pour la peine. Je te jure, si je drop un putain de 7RS, je suis mort derrière. Je deviens fou. Ce soir, c'est ton soir. Oh ! Mais c'est pas possible ! Mais merde ! J'y vais ! Ah, c'est bon, on arrête, les gars. Qu'est-ce qu'on fait, les mecs ? Ah ben, regardez ! Voilà ce qu'il faut, voilà.
C'est le pyjama, les mecs. Le pyjama. Le pyjama, la chaussette Puma. Regarde, regarde. Regarde bien. Ça, c'est un pied de chanceux, ça. Regarde. Salut. Salut. Incroyable, quoi. Mais faut faire un best-of, mais grave, mais en fait vous pouvez clipper, n'hésitez pas à clipper parce que moi je les télécharge après. Si vous clippez des trucs avec Twitch, clippez les mecs. Hein. Franchement, moi j'adorerais faire des chaussettes de chez GoSport. Et faire des petites compiles. Mais le problème c'est que moi mes enregistrements ils durent 2 heures. Tu te rends compte, et j'en ai je sais pas combien, c'est mort. C'est mort quoi. Faudrait clipper à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, moi je le télécharge et après je me le mets dans un dossier de côté, quoi. Lolo est passé sous le bureau d'un dev. Je vais tout monter, j'en fous. Jamais 203, oh, quand même là, j'ai eu 4 millions du coup. Ça va, 5 300 000 en 10 heures, en 11 heures, on n'est pas dégueu, quoi. Oh la vache! Ah putain, ah ça décoiffe hein! Regarde, ça décoiffe hein! Y'en a, ils sont en train de m'haïr là. Je vous fais des bisous les mecs. Je vous fais des bisous les gars. À tous ceux qui croyaient pas en moi. À tous ceux qui croyaient pas en moi. Wesh le Rhino, qu'est-ce qu'il dit? Ah tu viens de rater quelque chose de dingue là. Tu viens de rater quelque chose de fou. Oh là 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 là. Trop d'or, je te jure. Oh ouais, et baby, mais voilà, c'est le 6 étoiles pour Black Widow. Mais ça tombe bien. J'ai chopé 5 millions d'or, les mecs. J'hésite à me désabonner de ta chaîne. Tranquille ou quoi? Ça va, on est pas mal. Ah là 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 là. Nous aussi, on te fait des bisous, mordeux. Ah, oh, c'est bien ça. Ah, ben non, pas lui. Valentino, enfin, t'as 7 étoiles depuis l'année dernière. Je t'attends, moi, il a dit. Ah, putain, je te. Ah là 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 là. Tellement d'or. Même Bill Gates, il est jaloux. Je te jure. C'est. Et puis là, c'est. Voilà, il n'y a pas d'ISF, les mecs. Non, il n'y a pas d'ISF avec ça. L'eau va monter du Ronan. Le 7RS va tomber, putain, s'il tombe, les mecs. Un bon 7RS, tu vois. Un bon 7RS. De la bombe, franchement, ça serait de la bombe. Ça serait vraiment une tuerie. Allez, un petit Brotherhood là, j'ai tous les montés 77 là. Et voilà, un petit Brotherhood, et voilà. Suffit de le demander, c'est pas compliqué. Tu veux quelque chose dans la vie, tu le demandes, et bim. Hein, il faut pas plus, les mecs. Beaucoup d'or ultimus quand même là. Et voilà, oh là, un petit GG, gros. Ah, ça m'a excité tout ça, ça m'a réveillé. Putain, la vache, quoi. Le premier 3 millions, on en parle. C'est fou. Par contre, lorsqu'il va ouvrir les orbes rouges, baissez le son. Non, mais quand je vais ouvrir les orbes rouges, à mon avis, je vais rien. J'aimerais une Team Defender 7RS. Yo, t'as rebranché les câbles, mon Lolo. T'as pas vu Goldo? T'as pas vu? Fou ce qui m'est arrivé. Fou. Je vais pour ouvrir la première orbe d'or. Je dis attends, je m'assois au cas où je chope 1 million, je clique en même temps, j'ai pas le temps de dire 1 million, 3 millions qui tombent. 3 millions qui tombent, les mecs. J'espère que vous l'avez clippé. Hein. J'espère que vous l'avez clippé, vraiment. Vraiment, parce que celle-là, elle est magnifique, quoi. Et du BP, voilà, et bim, ça passe 5 étoiles, ça aussi, c'est parfait. Ça monte. Et de la mantise. Oh mais c'est fou, je vais ouvrir le mardi. Je vais ouvrir pendant le mardi Strike Force, quoi. Pas dégueu, hein. J'en avais pas beaucoup, c'est pas dégueu. Hein. Ah ouais, non mais fou cet opening, fou. Faut voir un peu ce que je peux faire là. Regarde. Petit Black Widow 6 étoiles. Allez, de toute façon, c'est voilà, c'est gratuit, c'est non imposable. C'est. Faut pas se. Voilà. Pour l'instant, on va faire juste ça. On va voir pour la suite. On verra pour la suite. Oh! Et du beat, c'est du beat, c'est ça, on voit du beat!
Merci, gros. Ça s'arrose, alors. On lui met des têtes, les mecs, on lui met des têtes. Merci, mon Goldo. Lolo, on est 57. Faut que tout le monde mette un message pour ton défi Twitch. Ça serait génial. 59, on est même. Ça serait super que tout le monde dise un petit mot, tout le monde écrit un petit truc. Comme ça, on pourrait avoir des icônes en plus. Ça serait super. Gagner des étoiles avec des personnages 225 fois. $275 millions. Un petit truc, voilà. Si tout le monde écrit un petit truc, là. Si tout le monde écrit un petit truc, tous ceux qui regardent, ça serait super. On... Écrivez tous un mot. Et... Attends. Écrivez tous un mot. La dernière fois, on était 80, on n'y est pas arrivé. Un mot. Un petit truc, ou un mot. Un mot, ou un petit truc. Un petit truc. Qu'est-ce qu'il... On est 60. Tout le monde écrit un mot. Un mot. Un mot. Alors comment ça se passe avec ta nouvelle alliance? Ah, je croyais moi. Super. Parce que moi, ma nouvelle alliance, c'est moi qui l'ai créée au début du jeu. Tout le monde écrit un mot. Ah, énorme. Tostestas, qu'est-ce que c'est ça? Je dis oui. Il dit oui. Il dit oui, les mecs, on peut y aller. Mot. Mot. En un mot, mot. En deux mots, momo. 63. Tout le monde écrit un mot. Ça augmente. Ah, mais... Voilà. Anto Wido. Ouvre les RS. Ouvre les RS, les mecs. Balancez. Balancez, c'est les 13 dernières RS de ma vie. Si j'ai de la merde, j'en ouvre plus jamais. Oh, une orbe supérieure. Pas d'où elle sort, celle-là. Ah, celle-là. En un mot, mot. En deux mots. Momo. 11 RS, les gars. 11 RS, les mecs. Si je loot quelque chose de fou, je veux que ce soit le grand bordel. Je veux que ça pète un cap dans tous les sens. Hein. Tout le monde sort tout nu dans la rue. Voilà quoi. 6 mois que c'est sorti, c'est putain d'RS, j'ai rien. Je vous garantis que il y a un moment, faut que ça sorte. Hein. Et ça fout dans le chat, les mecs. Allez, on veut de la RS là. 5, il en reste 5. Il en reste plus qu'une. Que du caca, confie. Que du caca, que du caca, que du caca. Poète. Hype. Hype. C'était l'un de nos meilleurs soldats. Mais il s'est fait prendre en embuscade par les AIM et leur étoile rouge. Au moins, c'est pas un doublon. Voir le bon côté des choses quand c'est de la merde. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai marché dans une merde. Au moins, c'est pas mes chaussures neuves. Mais bon, j'ai marché dans un gros caca frais, quoi. À la guerre d'alliance, avec ça, ça va envoyer du bois. Hein. Tu vois, Master Shy, je t'attends, moi, mon gars, en guerre d'alliance. Regarde, je t'attends, moi. Je te le balance, lui. Je te le balance, mon gars. Eh ouais. Eh ouais, gros. Tu crois quoi? Incroyable, cette loose en RS contacte le Guinness des records. Mais grave. Ah, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Sauf en soldat, Lolo. Ah, c'était... Oh là là. Oh là là.
Mais quelle luge. Ça se lisse. Oh, j'en peux plus de vous, les gars. J'en peux plus. Oh là là. Ah ouais. Je suis quand même pas con de faire un petit message au dev, tu vois, leur dire bonjour. Voilà, je joue depuis le début du jeu. J'ai dû ouvrir quand même un bon, je pense, entre 500 et 1000 RS, voilà quoi. Et orb d'RS. Et je me demandais comment ça se fait que j'ai que de la merde, en fait, que j'ai que de la dub. On aura tous des RS de fou et Lolo sera avec tous ses doublons, mais c'est ça, hein, c'est ça. Hein. C'est la triste vérité. Voilà. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est pas grave, parce que heureusement, j'ai pas les RS, mais j'ai le talent, les gars. Mais j'ai le talent, tu vois. Et le talent, ça fait 30%. Oh non, ça fait pas 30%, ça c'est quand un joueur joue contre l'ordinateur. Donc le talent, ça doit faire 5% peut-être. Donc je suis à 35% à peu près contre l'auto. Donc wow, il va faire quelque chose. Lolo, on a fait combien avec vos messages? Je pense pas que je peux le voir maintenant. Je pense qu'il faut que j'attende la fin. Il n'y a pas les RS du cœur ou un truc du genre pour sauver Lolo. Ah, quelle horreur. Ah, je te jure, j'en peux plus. En auto le talent, bien sûr, exactement. Alors, ayez 50 personnes. Ah, bah ça s'est pas mis à jour parce que c'est encore 48 comme la dernière fois. Lolo, bon acteur, en fait, il est de mèche avec les devs. Il sait que la monstruosité va être de tiers. Grave. Ah, elle est passée à 300 sec de puissance. Elle est 4 Red Star. Elle est plus que mon Punisher. Voilà, donc je me tâte. Est-ce que je ne l'ai pas pour la mettre à la place de mon Punisher? Je ne sais pas. Ça peut se faire. Hein. Dire, ah, 2 RS sur route, ça fait plaisir. C'est minable, hein, 2 RS, mais bon. Au moins, j'ai quelque chose dessus, j'avais rien. Donc, c'est toujours ça de prix. Ouais, on s'en fout. C'est vraiment, j'ai vraiment pas d'RS. Je pense qu'il y a un truc avec mon compte. Je vais probablement restart, recommencer le jeu. J'aurais plus de chance. Bon, ben, c'est pas dégueu. Hein. Je vais faire un ticket pour avoir de la chance. Ouais. Ah là, c'est fou. Bon, ça va être malade et tout, je vais leur envoyer un message à la fonctionnaire, je vais leur dire voilà, si je loot pas de cette RS, je pense que je ne vais pas finir l'année. On peut maintenant offrir des abos de façon random sur Twitch, un peu comme les RS. Hein. Tu sans faire exprès, ça te tombe dessus. J'ai combien d'orbes ultimus? Oh, pas beaucoup, j'ai tout ouvert la dernière fois, mais j'ai plus rien là. Là, les gars, j'ai plus rien. Je suis j'en ai 4. 4 orbes ultimus. Allez. Non, mais il n'y a pas de modérateur, Minbol. Il n'y a que moi et Assel, en fait, en modérateur. Bon, ben, pas fou. Franchement, pas fou. Je suis passé à combien? J'étais à 1 810 000. 1 840 000. Ouais, je suis à 1 820 000 plutôt, un truc comme ça. Au fait, Goldo, c'est ton chef d'Ali. C'est un peu ça. C'est exactement ça, en fait. Pour tout dire. C'est tout à fait mon chef d'Ali. Ah, Modo Twitch. Ah, d'accord. Ça, c'est même pas la peine. Non, j'ai pas d'RS. J'aimerais bien monter en arène, mais non, j'ai pas d'RS. Donc, je peux pas. C'est pas compliqué. Faut pas chercher plus loin. Ça m'a l'air cancer qu'on ne s'est pas permis. Tu peux le faire. Hein. C'est que j'ai pas d'RS. Il y a que des RS de partout. Il y a que moi qui joue sans RS en fait. Les mecs, quand ils voient ma team, ils doivent être morts de rire. Ils doivent se dire putain, mais quel tocard. Qu'est-ce que je peux faire?
Qu'est-ce que je peux taper? J'ai pas d'RF. J'ai pas d'RF, j'ai pas de cheveux. Parce que je sens que le Daredevil va tellement me couper là. Mais un truc de correct. Celle-là, avec mes chips. Oh, merci, gros, merci. Sans trèfle de chance. Merci, merci, ça fait plaisir. Et oh là là, double tête. Il y a celle aussi qui a offert un abo à Goldo. Un abo aléatoire. Hein. C'est un abo aléatoire. Cet utilisateur a offert 4 abonnements sur cette chaîne. Oh la vache! J'ai pas d'RS, mais j'ai les meilleurs viewers de la Terre, les gars. Donc c'est... Voilà. Et ça s'achète pas, ça s'achète pas. Je vais remettre le son. Comme ça, parce que sinon, on n'entend pas quand il se passe un truc. Merci, les gars, ça fait plaisir. Ah, c'est l'épouse, moi, Cathy. Hop, si je peux le faire. Oh, je lui ai cassé sa bouche à son schmilblick, il n'avait pas compris ce qui lui arrivait. Merci les gars, ça fait plaisir. Tu vois, regarde, tu balances sans trêve de la chance, et juste après, Assel, il te paye un abo. C'est quand même pas fou. C'est quand même pas fou, cette affaire. Du coup, accueillez M'Baku comme nouveau perso pour la mise à jour. Ouais, probablement. Probablement. Ou peut-être un Lolo. Tu sais, le perso qui n'a pas de chance. Le perso qui peut poser aveuglement, mais qui ne pose jamais. Le perso qui est impossible à débuff, mais qui se fait tout le temps débuff. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait mon perso. Voilà, ça serait mon perso, en fait. Ça serait le perso un peu qui... Voilà, il a 100% de chance de critique, mais il critique jamais. Ah là là. Le perso, voilà quoi. Le perso que personne veut. Par contre, c'est le genre de perso où t'as genre un bon 60% de chance d'avoir des RS dessus. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Speeddragon, qu'est-ce qu'il dit? Par contre, c'est un personnage où voilà, t'as un gros pourcentage de chance de loot du 7 RS. DRS, du moins. Au moins, t'as des gold. Ouais. Non, mais je vais pas me plaindre. C'est très, très bon. Je suis servi de ouf. Lolo en chef de team des IM, prochaine mise à jour. Mon personnage, tu vois, il donnerait de l'esquive à tout le monde. Voilà. T'esquives tout, même les RS. T'esquives les RS, t'esquives tout. T'es un scientifique suprême, en gros, ouais, c'est ça. Empire quand même. Tu vois? Empire parce que moi, tu... Pratiquement toutes tes RS tomberont sur moi, tu vois. Alors que, voilà. Je donne énormément d'esquive à tous les personnages, mais tes personnages se font quand même défoncer, tu vois. C'est ça le délire, en fait. Vu qu'il y a que lui qui est 9 RS. Ça va, Speedy, ou quoi? Fait un moment que t'étais pas passé. Et voilà, tu vois, pas besoin d'RS pour avoir du talent, les mecs. Regardez, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Pas besoin d'RS pour avoir du talent, les mecs. Dernière saison, 15e mondial. Là, on est 58e. Voilà. C'est de la cohésion de groupe, les potes. Voilà, c'est ça. C'est se laisser porter par ses amis. C'est un art de se laisser porter, les gars. Ça serait une top team un jour. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un peu comme la guerre d'Ali, tu vois. Il l'annonce, mais ça arrivera un an, tu vois. Un an après, ça arrivera. Qu'est-ce qui se passe, là? Je bug ou... Je peux aller en raid ou comment ça se passe? Bonjour. Ah la vache. Le perso anti-loot qui te retire des étoiles à ta perso. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, j'ai l'air... Ouais, Shraki, mais c'est la fin, c'est la fin. Mais t'inquiète, tu vas voir un petit peu d'auto du Ultimus 6. J'ai eu un petit... Voilà, j'ai été très très bien servi. Très très bien servi, pas en RS, bien sûr, les mecs, pas en RS, en or. Très très bien servi en or.
5 millions en 11 orbes ou 12 orbes, c'est énorme. C'est énorme. On va préparer d'avance le gamin. Nous, il est déjà prêt. On a déjà préparé le gamin, ça y est. Eh ben moi, tranquillou, hein, Speedy. Hein. Tranquillou. Hein. Toujours là, tous les mardis. Ah, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche. Ce dimanche qui arrive, c'est ou le dernier ou l'avant-dernier. Il faudrait que je regarde le calendrier. Ce dimanche qui arrive, c'est le c'est l'avant-dernier dimanche en live, les mecs. Ou le dernier ou l'avant-dernier. Je ne sais pas encore si je vais avoir le temps de le faire la semaine d'après. Parce que, pour tout vous dire, il n'y aura plus que les mardis en live. Jusqu'en ou septembre ou octobre. Parce que... il m'a buté ma Minerva, l'espèce de gros bâtard. Parce que en fait, je vais avoir qu'un seul jour de congé par semaine, là, à partir d'avril jusqu'en septembre. Et du coup, ben, j'aimerais bien pouvoir sortir un petit peu, tu vois. Profiter un petit peu aussi. J'ai qu'un seul jour de repos, donc si je veux dormir, dormir. Si je veux aller faire autre chose, faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, il va y avoir une pause les dimanches. Il n'y aura qu'un live les mardis. Et il y aura peut-être des petits lives sneaky pendant la semaine. Ça, c'est possible, par contre. Les alliances FR bien en place. Ah, il y a en ce moment, les alliances françaises performent de ouf. Il y a vraiment... c'est très, très bien. La Team Fury vient de passer les 22K. Les 220K, tu veux dire, je pense. RU, Exa, Nova sont toujours là. Eh oui, toujours là. Tiens, le chef d'Asylum. 220K. Ah, plutôt. Plutôt. Pas dégueu. Ben, écoute, moi, je peux pas le plus. Enfin, je peux pas le plus. Je pourrais l'up un petit peu plus, tu vois. Mais voilà, quoi. Mais voilà. Bon, je continuerai ça après, en mangeant tranquillou. Voilà, j'en finis sur un petit 7 millions, quand même. Hein. On a 7 millions d'or. On n'est pas dégueu, hein. On n'est pas dégueu, 7 millions d'or, vraiment. Toujours pas d'RS, hein, mais avec ces petits 7 millions, on va peut-être monter Ronan, ou on va peut-être monter... On va peut-être monter du Brother, ou... on va peut-être monter quelque chose comme ça... Et quoi, lui, il était 10. Tiens, c'est cadeau. Allez, hop. T'as besoin de t'habiller, t'es un arbre. Confrérie, confrérie, confrérie. Voilà, j'ai une confrérie qui est pas dégueu, quoi. J'ai 2-4 RS, 2-3 RS et Magneto 2 RS. C'est ma plus grosse team en RS. C'est fou. Hein. C'est assez fou. Bon. Hop là. Et voilà, les gars, le visage d'un homme riche, mais faible. Riche, mais très très faible. Voilà. Riche en gold, mais très faible en Red Star. Très faible en termes de roster. Beaucoup de T12, mais pas d'RS sur ces T12. Que faire? Que faire? Bon, ben les gars, ben, je pense qu'on va arrêter là. De toute façon, on se retrouve... On se retrouve dimanche à 15h. Je sais pas ce qu'on fera. On fera une petite... voilà, quoi, une petite... on se fera une bouillabaisse. Ouais, la recette de la bouillabaisse. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas mal. La recette de la choucroute. Et, en attendant, les potes, n'oubliez pas... En dessous, dans la description, et de Twitch, et de YouTube, il y a les liens des Discord, le Mercato Strike Force. Vous êtes à la recherche d'une recette de cuisine, d'une voiture d'occasion, d'une alliance, d'un film qui a disparu de Emule. Il n'y a pas de problème, il y a tout ce qu'il vous faut là-bas. Il y a le comptoir, le bistrot des Avengers. Comment je l'ai appelé, le comptoir ou le bistrot, je ne sais plus, des Avengers. Le Discord de Mero, le Discord où il faut être. C'est un petit peu le Fouquet's du Marvel Strike Force, mais il n'est pas brûlé celui-là. C'est un petit peu le Fouquet's d'MSF. Voilà, voilà, il faut se le dire. C'est là où il y a le petit gratin. C'est là où il y a tout le monde. Et il y a mes channels. On peut discuter, on peut parler. On peut s'en mettre plein la fouille. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi la communauté Facebook qui va atteindre les 1000 personnes, les mecs. Donc abonnez-vous, allez-y sur la communauté Facebook. Parce que ça va atteindre 1000 personnes, il y a les liens en dessous, il n'y a pas d'excuse. Il y a aussi mon Facebook de ma chaîne, mais bon, vous êtes tous abonnés, hein, voilà, vous êtes tous abonnés, il ne faut pas se mentir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous ne méritez pas de regarder cette vidéo.
Et puis, je pense qu'on est pas mal. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je joue bien évidemment sur BlueStacks. Voilà, hein. J'ai les pneus Michelin. Non, je rigole. Là, je vais trop loin. Voilà, bon, les mecs, je vous remercie, les potes. Merci à tous d'être venus. Merci à tous ceux qui ont lâché un petit don. Merci à tous ceux qui ont lâché un petit abonnement. Et vive la France. Vive la République.